Plutôt rare, demain, plusieurs groupes de supporters de foot venus de toute la France manifesteront à Lyon. Ils demandent l'interdiction de l'utilisation du flashball par la police les soirs de match. Je pense qu'il y a d'autres solutions avant, surtout que voilà, je pense qu'il y a, c'est pas approprié d'utiliser. Enfin, pour moi, c'est une arme. Enfin, le flashball, c'est très, ça peut être très très dangereux. Enfin, il n'y a pas eu de mort, Dieu merci. Ça doit pas être utilisé au-dessus de la taille. À l'origine de cette mobilisation des supporters, cet accident survenu le 19 octobre dernier lors d'une bagarre en marge du match OL Montpellier. Alexandre, qui dit ne pas avoir participé aux affrontements, est touché en plein visage par un tir de flashball. Depuis, il souffre d'une cécité partielle de l'œil droit. La vue s'améliorera jamais. Normalement, elle ne se dégradera pas. On espère qu'elle restera comme ça, donc aux alentours des 4, 5 dixièmes. Ce jour-là, à ce que je vois moi, en aucun cas la police était en danger. La seule arme qu'ils auraient pu utiliser, c'était des armes de dissuasion de type lacrymogène. Deux enquêtes de police sont d'ailleurs en cours dans cette affaire. Quant aux supporters, ils ont prévu de se rassembler demain à 13h devant le stade de Gerland, direction Place Bellecour.